La campagne d'un Seigneur tropical consiste en une course-poursuite de l'albacore, le temps à nageoire jaune. Une véritable Ferrari des mers. Le repérage des bancs et des épaves flottantes est une activité continuelle à bord. La surface de l'océan est patiemment scrutée à la recherche de volailles, sternes fuligineuses, fous à pieds rouges et frégates qui participent à la frénésie alimentaire quand les thons pourchassent les proies en surface. Les trajets migratoires de ces poissons vont globalement d'est en ouest, comme les vents et les courants dominants durant la mousson d'hiver. Ces déplacements sont liés aux concentrations de ressources alimentaires dans quelques oasis de vie dispersées dans l'immensité désertique de l'océan. Tout cela explique les milles parcourus par les deux adversaires. Le seineur chasse et patrouille en anticipant les déplacements du thon. La détection et son interprétation sont en effet les clés de la réussite. L'albacore colonise une nage puissante, un habitat qui s'étage entre la surface et 200 mètres de profondeur. La température qui y règne varie entre 27 et 14 degrés. Il recherche donc en permanence des concentrations de nourriture vitales pour son métabolisme exacerbé et doit aussi réguler sa température pour accélérer sa digestion. Tout cela explique son insatiable appétit. En passerelle, la technologie d'aide à la pêche complète l'efficacité du repérage visuel aux jumelles qui est limité à 4-5 000. Les radars oiseaux, dont une portée de 15 à 20 000, permettent de noter tout arrêt persistant du vol, des sternes ou des frégates, qui est un bon indice signalant la présence d'un thon. Quand les poissons sont profonds, s'ajoutent les repérages par sonar et sondeur. Et la nuit, la couche diffusante planctonique profonde se densifie vers la surface. Lecteurs de cartes, radiotéléphonie, courantomètre à effet Doppler, qui visualisent trois couches de courant, complètent l'instrumentation. Comme les fax, le suivi satellitaire des balises fixées au radeau des radars, ou enfin l'affichage des cartes satellitaires, les températures de surface ou les fonds thermiques repérés sont des habitats favorables à la concentration des thons. Ils sont groupés là, ils font une boule là, non? S'ils deviennent plus excités, on découvre alors la sardara, avec les moutons blancs et quelques poissons qui jaillissent hors de l'eau. En pleine frénésie alimentaire, la surface devient blanche, bouillonnante, c'est alors la séquence des brisants. Enfin, parfois, si quelques poissons sautent, on parle alors d'une séquence à la pièce. Les épaves dérivantes comme ici, une carcasse de baleine, déjà balisée par un seineur concurrent, un cordage flottant, une caisse ou un tronc d'arbre peuvent agréger une matte de thon. Les seineurs fabriquent donc des dizaines de radeaux balisés, plus ou moins sophistiqués, qui vont concentrer les poissons au bout de quelques semaines, de dérive vers les côtes somaliennes. Mais certains de ces radeaux se chargent, et d'autres pas du tout. Cette technique de pêche est peu prisée chez les patrons français, qui la considèrent comme une pratique peu honorable. Mais elle est couramment utilisée chez les Espagnols, qui mettent à l'eau des centaines de radeaux, qu'ils visitent régulièrement. Un peu comme les rayons d'un supermarché. Ces radeaux
crée finalement un climat d'énervement général avec la multiplication des pêches furtives et l'escamotage des bouées concurrentes, sans aucune courtoisie.